Non, mais après, l'esprit est ainsi fait que bah, les mauvaises ondes prennent plus de place que les bonnes. Mais d'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Tranche d'amour, qui est le pendant à cette vidéo qui s'appelle Tranche de haine. Mais non, bien sûr, que... Est-ce que... Non. Après, je vais pas mentir, il y a clairement des blessures, il y a des choses où, comme étant quelqu'un de sensible et d'assez peu au contact des gens en général, il y a des points de non-retour et il y a quand même un effet d'usure. Je déteste le dire et l'avouer, mais je vois bien que je suis plus... On perd une innocence, en fait, au contact de l'égout numérique. Donc ça, malheureusement, il faut apprendre à s'entourer et à prendre la distance, ce qui fait que je lis plus les commentaires et donc je lis plus ni les... Enfin, à un moment, c'est tellement un terrain miné que quand on veut aller voir, ben on est... c'est un risque. Donc c'est pour ça que là, je suis à réfléchir à des moyens de créer une communauté sécurisée où on pourrait communiquer entre gens qui pensons le bien et qui sommes nous et avons envie de faire de parler, de se dire des choses constructives et gentilles. Donc c'est toute une organisation. Quand on est seul aussi, c'est beaucoup de travail. Donc à un moment j'ai vraiment fait le choix de juste plus regarder rien du tout. Mes notifications Twitter, ça fait un an que je ne suis pas allée voir. Donc si vous m'avez écrit, je suis désolée. Parce que à un moment c'était juste trop d'énergie perdue, mais bien sûr que voir les gens en vrai, entendre le bon, il y a des moyens de me joindre par message et ça je les lis et j'essaie de répondre quand je peux. Bien sûr que ça fait toute la différence et que ça transforme la vie, c'est sûr. Mais ouais, c'est violent quand même.